jasage de jeu de rôle pour un jasage suicide. C'est le numéro 3. Et aujourd'hui, le titre était Les Encounters. C'est pas juste du combat. Effectivement, ce n'est pas que du combat. Pour vrai, souvent, tu penses Encounter, tu penses combat. Puis même moi, j'ai été piégé là-dedans quand je faisais mon sandbox. Mon tout premier sandbox, tu sais, c'était. Au début, quand tu construis, tu sais, j'avais. Ah, là, il va avoir des bonnes idées, ils peuvent croiser un marchand, ils pourraient croiser des pèlerins. Puis là, genre, quand je descends à Les Encounters, ben, on dirait que plus que je descendais, moins je pensais à ça, des encounters sociaux. Fait que, tu sais, si le gars, il roulait un ou deux son dé, là, il y avait un encounter peut-être social. Puis là, après ça, je pognais. 3 et plus, c'était de la bataille. T'sais. Fait que c'est quelque chose qu'on oublie des fois, et je l'avoue, je suis coupable de ça. T'sais. Fait que, une année, j'avais pensé à. Dans Vampire the Masquerade, j'avais créé une table d'encounter, justement. Je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'utiliserai jamais, mais je l'avais comme commencé. Ça pourrait être une pauvre idée. Puis là, c'était juste des D10, parce que Vampire, c'est juste des D10. Puis, je me souviens, si tu roulais comme double 1-1-1 ou 1-1-1, il n'y avait pas beaucoup de chance, tu surprenais un vampire à diaboliser. T'sais. Fait que j'ai fait, ouais, non, dans Vampire, ça marche pas. Surtout si tu brasses le vampire au hasard, puis que tu pognes un vampire qui est bien fin, ça marche à moyen. Mais tu sais, c'est ça, fait que les random encounters, on ne veut pas que ce soit juste des combats. Puis, ben, c'est ça, un moment donné. En fait, je me souviens aussi dans Donjons et Dragons 2e édition avancée, il y avait les encounters et quand tu rencontrais quelqu'un, t'avais une table de. Comment ça s'appelle? C'était pas de l'émotion, là, mais c'était le feeling de la rencontre. Puis si ton charisme était élevé, ça donnait des bonus à ce jet-là qui faisait que la personne était plus sympathique à toi. T'sais, puis je pense que quand t'avais 18 de charisme, t'avais comme plus 6 cette table-là. Là. Puis ça faisait que la personne était genre hostile, elle t'attaquait, ben tu sais, mettons, elle t'attaquait, était hostile, était indifférente, après ça, était sympathique, puis après ça, était, comment ça s'appelle, coopérative, tu sais. Fait qu'il y avait un jet à faire sur une échelle de comment la créature a vie, puis je l'ai pas utilisé là, dans ce temps-là, j'ai jamais utilisé ça, mais tu sais, probablement qu'un orc avait des moins sur ce tableau, parce qu'un orc va être rarement coopératif, tu sais. Fait qu'il fallait que tu pognes genre 20, puis que t'aies plus 6, parce que l'orc avait moins 5, là tu tombais, oh ouais, l'orc il coopère, tu sais, c'était bien rare, c'était bien rare. Puis après ça, c'est au maître de se débarder, de savoir comment qui fait qu'un orc coopère, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, si je reviens dans ma game, tu sais. Je me souviens justement dans ma partie, j'ai roulé comme souvent des ogres, tu sais. J'avais roulé comme 3 fois des ogres dans le nord du pays, du royaume. Le premier coup, ok, on se bat. T'sais, ils se sont battus. Puis le deuxième coup, j'ai comme brassé 9 ogres. J'ai fait, ici, je peux pas les faire se battre contre 9 ogres, là, ils vont se faire décimer. Puis là, j'ai fait comme, ah ben, on va rire. C'était des ogres en training, comme dans l'armée. Là, ils couraient les ogres. Puis là, ça a fait comme « Ma grand-mère est une salope! Ma grand-mère est une salope! » Puis les ogres sont passés, tu sais. Il y avait un champ de guerre ogre. Puis, tu dis « ogre » ou « orque » c'est « ogre ». Fait que, il y avait un champ de guerre ogre. Puis, tu sais, ça a resté un peu comme la joke de la game. Puis là, après ça, ils en ont rencontré un autre. Puis là, j'ai fait comme « Ok, ben, ils vont être en combat déjà contre des nains. » Parce que j'avais mis des nains proches. Puis c'est là que ça a fait que, ok, il va y avoir un outpost ogre, pas loin de la ville naine, t'sais. Fait que, c'est ça, j'essaie de faire virer ça pas trop en combat ou plus facile. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent. On oublie souvent que des encounters, c'est pas juste des combats. Mais là, je vous ai parlé de random encounter. Bien avant ça, dans le temps. Dans mon temps, j'utilisais pas de random encounter, puis tout était préparé, tu sais. J'avais des pièces. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce,
c'est un encounter, là, quelque part, tu sais. Tu rentrais dans la pièce, puis tout ce qu'il y avait, c'était des pièges, ou c'était des puzzles, des énigmes, etc. Tu sais, ça reste un encounter. Puis c'est souvent même, à la limite, plus intéressant que de se battre, tu sais, j'avais dit. J'avais fait un temple, je l'avais appelé le temple des valeurs, tu sais. Puis c'était facile parce que en haut, en fait non, il y avait deux étages. Puis si t'allais en haut, puis tu ratais, tu tombais en bas, tu sais. Puis en haut, tout le monde connaît les sept péchés capitaux. Mais en haut, c'était les sept vertus. Il fallait que tu sois virtueux pour réussir à faire la pièce. Mais c'était pas écrit en haut genre pièce de la patience ou pièce de la tempérance, là. Non, tu sais. Tu rentrais là, puis il fallait que tu deal avec ça. Puis il n'y avait aucun combat, là, tu sais. Puis c'était vraiment juste des encounters sociaux, des encounters de puzzle. Tu sais, je me souviens, il y en avait un, c'était comment ça s'appelle? Peut-être tempérance, justement, en tout cas. Tu avais un nain, puis tu avais un ogre, qui était chacun à leur table, et il invitait les deux joueurs à s'asseoir à leur table, tu sais. Fait que là, le joueur s'assisait à sa table, puis là, le nain, il donnait une chope de bière, puis là, il buvait. Là, c'était un concours de beuverie, tu sais. Puis l'autre, tabacoté, avec l'ogre, c'était un concours de bouffage de poulet, ou de peu importe, là, qu'il mange, tu sais. Mais pour l'avoir, fallait pas que tu battes l'autre. Fallait que tu arrêtes avant l'autre. Fallait que tu dises, ouais, non, j'ai bien mangé ou j'ai bien bu. T'sais. Tu montrais que tu étais virtueux. Puis, ben, c'était cool. Puis sinon, ben, tu tombais comme dans le vice. T'sais. Si tu ratais la tempérance, ben là, tu tombais. Puis là, tu devais tomber dans le greedy, là, t'sais, le. Comment ça s'appelle? C'est l'égoïsme, je pense. T'sais, fait que toutes les pièces étaient liées avec quelque chose en dessous. Fait que c'était tous des encounters qui n'avaient pas de combat. T'sais. Fait que, non, ben, excusez, tempérance en haut, c'était gourmandise en bas. T'sais. Fait que, en tout cas, fait que c'était tous des encounters, pas de combat. Puis les joueurs ont adoré. Et de plus, ben, à chaque pièce, il y avait un coffre à aller chercher. T'sais. Puis, là, je divague un peu, mais j'avais comme fait une aventure. Il y avait 50 coffres à ramasser. Puis ils en ont manqué là, dans ce temple-là. Fait que moi, j'étais fier parce que ça voulait dire qu'ils l'avaient pas eu à 100% la game. T'sais. Parce qu'à la fin, ben, je pouvais dire chaque coffre équivaut à 2% de l'aventure. Ah, vous avez fini la quête à 90%. T'sais. Vous avez manqué 5 coffres, mettons. Fait que c'était bien cool. C'était bien cool ça. Fait que, ben, autrement que les combats, que les énigmes, ben, des encounters sociales, juste rentrer. C'est pas tout le monde qui le joue, puis des fois c'est pas intéressant, mais juste rentrer chez le marchand, puis négocier le prix de ton arme, de ce que tu veux y acheter, ça peut être considéré comme un encounter, tu sais. C'est pas tout le temps ça, tu sais. Je veux dire, le guerrier qui rentre, qui s'achète son épée, qui ressort, c'est pas un encounter, tu sais. Mais le barde qui veut s'acheter un cimetière pour découper ses rêves, tu sais. Ben là, lui, oui, il rentre, là, il négocie son prix, pis tout, mais là, ça devient un encounter. Tu sais, fait que c'est vraiment cool, pis comme j'ai dit, les encounters de non-combat, c'est quasiment plus le fun. En fait, je dirais que, un, le personnage que tu crées va dicter le plaisir que tu vas avoir à faire des encounters de non-combat. Si tu fais le barbare qui veut juste péter des gueules, t'auras moins de plaisir à faire des encounters de non-combat, tu sais. Mais encore là, j'ai déjà vu un très bon joueur. Je vois un barbare illettré, vraiment violent, mais il aimait les chevaux. Puis quand on allait, mettons, dans une bibliothèque, lui, il allait chercher des livres, puis il regardait des images de chevaux, tu sais. C'était bien drôle, là. Fait que, tu sais, c'est ça. La création de ton personnage va dicter un peu les encounters, mais des encounters non-combat, c'est toujours plaisant. Et bon, comme j'allais dire, personnellement, plus que je vieillis en âge, on dirait plus j'ai le goût d'encounters sociaux et politiques. Puis c'est pour ça, entre autres, que Vampire a carrément tassé Pathfinder Donjon ces temps-ci, parce que ça me permet de faire ça. Les combats, il y en a, mais souvent les combats vont se solder
autrement que, excusez, autrement que par la bataille, parce que justement un combat, c'est très, très, très dangereux. T'sais. Fait que je trouve pas mal ça, là, mon petit tour pour les encounters qui ne sont pas que du combat.